S'il y a bien une famille indissociable de la région des forêts, c'est bien celle d'Urfé qui a marqué les lieux par quelques membres qui se sont distingués dans la littérature. Dans cette famille d'aristocrates, ils ont été également au service du roi de France, qu'ils ont accompagné dans les guerres d'Italie, ce qui leur permit ensuite d'être les artisans de la Renaissance dans le Forez en aménageant le château de la Bâtie à l'italienne. À l'origine, cette famille était installée à Champoly, dans le château des Cornes d'Urfé, situé à 900 mètres d'altitude. Il s'agit d'un édifice construit entre le XIIe et le XVIe siècle, fruit d'une querelle entre le comte de Forez et l'archevêque de Lyon pour le contrôle de la région. Mais au XVe siècle, Pierre II d'Urfé investit peu à peu une maison forte de la Bâtie d'Urfé, grange monastique à l'origine et située plus bas dans la plaine à Saint-Étienne-le-Molard, et y réalisa d'importants travaux. Claude d'Urfé, son fils, lui donne alors sa physionomie actuelle. Ce compagnon de jeunesse de François Ier, bailli du Forez, mena une carrière en Italie et s'inspira à son retour des réalisations royales pour transformer le château en créant un véritable joyau de la Renaissance. Jacques Ier d'Urfé, seul descendant de Claude d'Urfé et marié à René de Savoie, eut 13 enfants, dont Honoré, 9e de la fratrie. Ce personnage, issu d'une longue lignée de seigneurs forésiens, est né en pleine guerre de religion. Pourtant, il grandit dans ce Forez paisible, où il apprend à aimer la nature environnante. Même si plus tard il s'engage militairement auprès du duc de Guise, qui s'oppose au roi Henri III, il garde une sensibilité romanesque qui va le conduire à écrire ce qui va devenir le premier roman fleuve de l'histoire, puisque ce chef-d'œuvre colossal contient plus de 5000 pages. Avec la publication de l'Astrée, ce monument de la littérature, Honoré d'Urfé devient l'un des grands hommes de lettres du XVIIe siècle. Dans cette histoire romanesque qui associe la guerre et l'aventure, l'amour reste essentiel. Derrière ce récit où les personnages sont des bergers et des bergères, se cachent en réalité des gens de la cour attirés par les valeurs morales que véhicule ce roman. L'Astrée, ce roman qui eut à l'époque un succès considérable et dont Madame de Sévigné ne tarit pas d'éloges, au point d'y faire spontanément référence en telle ou telle circonstance de sa propre vie, ne s'éteint vraiment qu'au XVIIIe siècle lorsque Rousseau écrivit la nouvelle Héloïse. Pourtant, ce roman fleuve de l'Astrée a ressurgi dans l'actualité en 2007 grâce à Éric Rohmer dans une adaptation cinématographique intitulée « Les amours d'Astrée et de Céladon », le roman pastoral revu par un conteur moderne. Honoré d'Urfé a séjourné dans sa jeunesse dans le domaine de la Bâtie et a donc été très fortement imprégné de ce château ainsi que ses alentours. Il puisa ainsi toute son inspiration dans cet environnement pour construire son roman. Dans les fenêtres de ce château, il est tout à fait possible d'imaginer le cadre bucolique où il situe son histoire, comme les monts du Forez ou les petits sentiers qui bordent le Lignon. Au centre du parc, on retrouve aussi la fontaine d'amour, identique à celle citée dans son roman, lorsque le druide Adamas l'avait érigé pour Céladon, le berger héros de cette histoire, et éconduit par Astrée la bergère. Aujourd'hui, quatre chemins thématiques relient les sites réels et imaginaires du roman écrit par Honoré d'Urfé. Bélisard, Amasis, Céladon et Léonide. Le chemin de Céladon débute au château de la Bâtie et pénètre dans le pré qui avoisine les jardins de la Bâtie. À cet endroit se dressait jadis le couvent des Cordeliers et sa chapelle accolée où furent inhumées une partie de la famille d'Urfé. Dans cette plaine herbeuse, le chemin mène ensuite directement à la rivière du Lignon. On entre alors totalement dans l'univers pastoral de l'Astrée. Le petit pont qui traverse maintenant le Lignon refait alors surgir la mémoire d'Honoré d'Urfé.
En effet, de son propre aveu, l'Onde de Lignon est un lieu où reposent les imaginations de son enfance. Au bord de cette eau où il aime se recueillir et se confier, le Lignon devient alors un lieu de mémoire. Plus loin sur un pic se profile la silhouette du prieuré de Montverdun, bâti sur une butte volcanique où à l'origine un prieuré bénédictin aurait été fondé au 8e ou 9e siècle. Il s'agit d'un édifice qui s'inscrit complètement dans le roman de Lastrée, car son auteur avait imaginé alors le prieuré comme lieu d'oracle et de druide. Plusieurs travaux successifs d'agrandissement se succèdent au fil du temps, jusqu'à son déclin à partir du 16e siècle. 300 ans plus tard, la commune en devient propriétaire et certains bâtiments sont alors détruits, tandis que d'autres accueillent l'école communale. Dès le portail de l'enclos franchi, on débouche alors sur une esplanade autrefois un cloître qui occupait le centre de cet espace. L'église occupe la partie nord et celle-ci a conservé sa vocation de lieu de culte. Largement reconstruite au XIIe siècle, elle fut fortifiée deux siècles plus tard. Après son classement au titre des monuments historiques, l'église a été restaurée entre 1986 et 1991. Derrière cette église, le cimetière monastique a gardé quelques croix qui rappellent le passé religieux de cet endroit occupé pendant des siècles par des moines bénédictins. En face de l'église se trouve ce qui subsiste du cloître autrefois, c'est-à-dire une cour fermée avec le logis prioral et sa galerie construite sur des poteaux de chêne avec un garde-corps en pan de bois. Enfin, la vue panoramique à partir de ce pic mérite le détour par ce paysage marqué par l'ancienne activité volcanique qui a laissé de multiples affleurements dans la plaine et les monts du Forêt. Si Honoré d'Urfé a construit son roman Lastrée grâce à ce paysage forésien et ses alentours, le château de la Bâtie, où il a grandi, l'a largement inspiré à plusieurs titres. Il s'agit en effet d'une demeure exceptionnelle qui renferme la seule grotte ornementale existant encore actuellement, datant du XVIe siècle. Quelle surprise de pénétrer dans cet univers minéral avec ce chef-d'œuvre de style rocaille composé de coquillages, de sable coloré et de cailloux uniques en France, qui témoigne de l'époque de la Renaissance française à l'italienne. Le château lui-même s'inspire aussi largement de l'inspiration italienne par sa transformation au XVIe siècle en style Renaissance. À l'extérieur, on découvre la rampe cavalière où les carrosses accédaient directement à la réception du château. Historiquement, un sphinx de marbre, symbole de force et d'intelligence, gardait cette rampe. Et celui-ci est visible pour le moment à l'intérieur des bâtiments en raison de travaux de restauration. Quelques salles à l'intérieur accueillent aussi temporairement une exposition insolite et décalée sur le thème des inventions de Léonard de Vinci. À l'extérieur, après avoir franchi un portail monumental, le jardin clos par un mur crénelé se découvre avec ses ifs et ses rangées de buis sculptés. Au milieu de ce parc s'articule une rotonde abritant la fontaine de vérité, dont la légende prétend que l'on aperçoit l'être aimé dans le reflet de son eau.
Nous voilà au terme de cette découverte au pays de l'Astrée, au cœur du forêt, qui nous a révélé une partie de ses trésors. En effet, grâce à tous ces témoignages qui sont parvenus jusqu'à nous, cette visite nous a irrémédiablement renvoyés à ce roman pastoral inachevé d'Honoré d'Urfé, à travers le récit des amours contrariés de Céladon et Astrée, qui ravissait alors les esprits en proposant un idéal de paix et d'amour dans ce chef-d'œuvre romanesque majeur du XVIIe siècle.